Zoli Kambouya Mafuta, c'est l'onction qui fait la différence. Encore une fois, je vous dis bonjour partout où vous êtes en train de nous suivre. C'est votre émission, Likambouya Mafuta, émission Oyo et Sungagabino, Makasi Minkoleka, Nanzelaya, Losamboto, Nanzelaya, bah, enseignement. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, c'est vrai, il y a les affranchis, les Alibongo, dirigés par le prophète messager, le prophète Emmanuel Dodi, et surtout, dans la préparative, il y a le 17 de décembre, Balobi Eza. Fait, il y a les grands saluts. Alors, Nicolas, surtout, aux hommes dans la télévision, la vie, ah, bah, sport, et aux collègues, et aux les cas. Mais en même temps aussi, il y a un bandeau, oh, comme il a vu sur un message, depuis Bukavu, un grand merci à vous. Batoto à Bukavu, un grand merci. Batoto à Kamina, Kamina Base, Lumbashi, Katanga, Chikapa, Kananga. Partout, partout, vraiment, ma message, j'ai mis sur Tina Raiko Maka. Aujourd'hui, le frère Mukendi va vous répondre calmement, ensemble avec le pasteur Tchamala, Bande Kopé, témoin de Jova, Tinda qui va message, ma réaction, qui tellement ébelé, comprenant qui pensa, le lengenini, l'émission de la fois passée, le baki qui est, Jova Azali Nzambete, Alape Azali Nzambete, Batumusu, Bete Magili Bakuponengo. Alors aujourd'hui, on va éclaircir un peu sur ça. Alors je dis bonjour, l'homme de Dieu, Tchamala. Bonjour, Madame Patricia. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et avant toute chose, Topé Simbote à notre guide spirituel, le prophète messager Manuel Dodi, na ba franchi nyoso, na ba nzambe nyoso. Oyo ba lingaka émission oyo likambo ya mafuta bolanda biso na bolingo pene sengo pena mitema na bino. Merci. Merci beaucoup. Bonjour le frère Mukendi. Bonjour maman Patricia. Bonjour la notre guide spirituel le prophète messager Emmanuel Dodi. Bonjour pena bande konyonso oyo ba lingaka likambo ya mafuta. Baza liboso ya ba ekran na bango pona kolanda biso na tango. Alors, événement, c'est déjà jour J moins calamité, le 17. Alors, mon message, moi, rapidement, dans une minute, pasteur Tchamala. Oui, message Ezali Kakamoko, parce que l'élo Ezali le 11 décembre, il nous reste pratiquement 5 jours. Donc, dimanche, c'est le 17 décembre, Ezali dimanche. Oyotozo, le Kisalisus, to lancé encore invitation solennel et pas ya bana nzambe nyoso d'une manière générale et d'une manière particulière ba o nyoso balingaka koluka nzambe parce que nzambe balukaka ye et surtout date on a le 17 décembre ezali date oyotozo célébrer yango pambate nous célébrons le grand salut. Pourquoi tozo célébrer le grand salut en emo ne mission nzambe a confié le grand prophète messager Manuel Dodi. So kazali prophète mission nzamba pesier ye nzamba pesa ki mission ya koya kote ya prospérité te ya koya ko mabatu na poto te aye kote ya miracle te mais mission tango akutana ki na nzambe le 17 décembre 1999 à 15h sur le mont Kilimasimba tango akutani na nzambe nzamba confier prophète messager Manuel Dodi mission ya koya kote ya lobiko ya munene. Pourquoi nzamba confier mission ya kote ya lobiko? Parce que c'est ça même l'objectif ya église, c'est de prêcher le salut, la résurrection des morts et la vie éternelle. Voilà pourquoi date le 17 décembre pour na biso ba franchi tozo célébrer biloko mibale. Nous célébrons fête ya temps prophétique et ya mibale tozo célébrer fête ya grand salut. Oyo nyoso akoya pe akozala connecté na programme wana ya dimanche oyo vinaye et kozala libanda ya ba danger parce que le salut a comme objectif de mettre l'homme hors des dangers. O Bible lobi ekosunga mutu na nini azwa nyoso ya mokili oyo mesuka na nyoso abongisa molimo na ye. Voilà pourquoi lingomba ya solo mosali ya nzamba solo il faut azana na souci ya bato basala nini babika mosali ya nzamba solo il faut doit prêcher le salut. Le thème du salut doit être au centre
y a message ya musali ya nzambe kati na lingomba. Voilà pourquoi tozobete la sete dimanche au ezam musikate nde date yo prophète akutana ki na nzambe nzamba pesa ke mission na mission nzamba confié ya côté à les grands salut comme batu na lola paix na vie éternelle. Alors on suit quelque chose et on se retrouve juste après tout dans la bongo sport comme ça tout côté bongo na vif ya mission na vif lelo. On suit ça. Malé, malé, malé! Moi, na Congo Kinshasa, pe Brazzaville, yo kelanga li solo ki toko oyo, yo ka bien! Église universelle, pentecôtiste charismatique, ministère des affranchis, oye kumba makana motonzambe, le prophète messager du temps, Emmanuel Dodi, ezali ko célébrer la fête du grand salut, oyo, et ko salema 7 décembre 2023. De 15h à 18h. Noko, Nyonso Oyo, Ekosel Makaka Awa na Liberté Résidentielle. 6e rue, Avenir Révolution numéro 817. Yaka Awa, Oyo Kamoto Nanzambe, Ozo El Loko. Betela Moninga Lisolo Kitoko Oyo, Po, Jourwana, Ekosala Terrible, Awa na Ministère des Affranchis. L'homme dit Tiko Tako, le prophète messager du temps, Emmanuel Dodi Azawana. Merci beaucoup. Le rendez-vous déjà c'est pour ce dimanche. Tokozalwana biso nyoso tout ba nzambe nyoso tout o ba kolinga bongo kwa ko visiter to ko yakola na bongo comment l'homme de Dieu a ko expliquer ndenge nini akutana ki na nzambe lenge nini azo ki appel ndenge nini nzamba pesa ki bongo message wana ya le grand sali. Alors j'ose croire que non ezala bino pe bosa ba problème maladie, on vous invite de venir mais to ko directement na sujet na biso ya lelo. C'est vrai sujet na biso ça sur le grand salut mais de quoi t'aimer plus ba question oyo ba ndeko mususu pe batindaki en même temps te ko ramasser pe na ba mituna mususu ba ndeko ya témoin de Jova ba lobaki melelo na ko bana bongo na ndeko mukendi ava bongo na kota na makambo to c'est ça qui est témoin de Jova yo kama tuna ndeko mukendi mama question na ngaza li pona ndeko mukendi pourquoi ba musulman ba ndimaka pakete qu'est-ce qui se passe. Bon de quoi tout le monde tuna bien islam. Et on dit ma pacte premièrement, ils en a deux raisons. Raison à bango ya liboso, bandimé la kanan liwa na résurrection ya jésuité. Deuxième, bami mona ke soki bandimi pak directement ba kweyi na kondima ke Jésus a koufaki et azalaki ressuscité. Ba verset ni ba sale la ka pona kobo ya pak. Ba sale la ka Luc chapitre 2 verset 41. Pona ko lakisa ke Pâques ezala ki Jésus a za envie ye moko a fêta ki Pâques. Ko malelo ba chrétien ba lo ba ke Pâques ezali wa ya Jésus. Luc chapitre 2 verset 41 ndenge Jésus ba kenda ki ba kenda ko fêter Pâques. Ba zonga kana ye moko pe a ebisi ba disciples na ye na Jean chapitre 26 verset 1 à 2e a zo ebisa bango ke est-ce que bo ebi ke dans 3 jours Pâques ko ya donc wana zala ki envie. Babou ya rapona kwebi sa ba chrétien ke pa keza liwa ya Jésus te, parce que Jésus moko azala ki vivant, pa keza la ki se ke pa keza la ki condition po na ba na Israël ba célébrer ango. Mais bazo comprendre ke eza eloko moko te, y a des choses différentes. Pak, oyo ba na Israël ba banda ou célébrer, o Jésus akouta ki, na pak oyo ba disciple à Jésus ba célébrer na 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. C'est des choses différentes. Bango siko ba sangisaka mais base na bango ezala nde koboya liwa na résurrection ya Jésus parce que Islam indimakate que Jésus-Christ a été ressuscité ou soit akufa ki baboyaka. Pourquoi bango baloba ke akoku fate enseignement ya Islam na ba livre na bango etali sakabiso likaulihim inna katalna Isa ibn Maryam rasulullah wa ma kataluhu wa ma salabuhu. Donc ils ont expliqué que na maloba na bango balobi ke tobomi Isa bin Mariam, Yesu mwana Marie, Rasulullah, prophète yanzambe, me babo ma ki ete, to ba kembisa ki ete, me ba changea ki moutou na liwa na ye. Mais, to ke na context wana, ba chrétien, o ba tuna bango ba kesyo wana, ba tuna pe bango, moutou o ba changea ki, aza nani.
ce qui va changer qui monte en place naie à quoi ça la réponse t'es aucun musulman repère sa réponse balobaga que non va changer qui monte mais bah qui met la na verser mon coeur agent ya quoi expliquer que non na troisième heure basaki au sambi ça y est na sixième heure azalaki déjà babaki na ikulusu de bah qui met la racuna que non Jésus oyo azalaki nanu na sixième heure il faut basa mise na troisième heure azalaki déjà na ikulusu azanani c'est que va changer qui monte na place naie de bah côté la quoi na pour na robot ya pack Islam indime la kate ke Jésus a koufaki. Na ba exemple na bango. So ki okay na Matthieu 12, 37 à 40. Jésus a zo espazo tout na epo na signe. A zo explique bango ke signe nanga eko ya loko la ya Jonas. Le linge Jonas a lala ki 3 jours na kati ya mono kwa nini? Ya mbisi. Ndenge mwana mutupe ako lala 3 jours ya lo bagi mbisi te. Alors là, 3 jours, l'ingwa les sont compliqués. Nalibumu, yamabele. Mais ça, des choses différentes, non? Si vous avez un côté, vous avez un peu de temps. Ah, le lingé, le bain, exemple, vous avez un peu Jonas, c'est qu'il y a Koufa qui te parce que Jonas perd ça là qui 3 jours abîmé na bon moi. Bon. Donc, il y a un peu de contexte. Ok. Okay. Tout ça, si Jésus a Koufa qui te, a Kenda qui te, a Tangi Sabawi parce qu'il y a Koufa qui te. Nani a Koufa, c'est quoi? Maomé a Koufa, est-ce qu'il y a c'est quoi? Tiens. C'est qu'il y a Koufa qui te. Bangosko bakenda kuna pona olobake no ba changer ki mutu ezala ki yete yoka ba exemple a pesaka a pesa ya Jonas est-ce que yoza si que Jonas na limwambisa kufa Jonas akufa ki teme kozo exemple ya Jonas na Jésus te lolenge Jonas akenda ki na limom ya nini ya mbisi ezate lolenge Jésus azala ki enterré Jésus alikela ki na ikulusu est-ce que Jonas alika na ikulusu non. Donc, bas sambri kaka bango moko. Kaka bango moko moko wana lisusu. Jésus a koufa gite. Ok, a koufa gite. Mais so ok, kaka na konteks na bango msusu. Bako mi lisusu o, ala zon di make. Nga moutu na autoriza ki Jésus a koufa. Pona yako se kwisa ye. Ozo mona. Kote me la pak batene me la pona kobo ya nini. Oyo zalaki liwa ya Jésus. Nde oyo bango basala anini. Babo elaka. Nde sala ake bango babo ya pak. Basale laka, basana ba vexe na bango basale laka, yakobo ya ke Jésus a koufa kite, po bako ye biso mama ande ngoza boe, ondimeli ke Jésus a koufa ki na ikulusu, olobi oui. Ok, ba memiyo na Deuteronome chapitre 21, verset 22 à 23, oye lobi ke oyo nyonso abakami na ikulusu, aza modi. Siko batouni yo kretien question, ok ye bisanga, soki ozondi ma ke Jésus a koufa ki, tozaka na kati ya pak. Ozon di ma ke Jésus a koufaki. Me Bible zo konfirme ke onyo so bakami na ikulusu aza modi. Se ke ozon di ma pe ke Jésus aza modi. Omonis ko so akoutani na pasteur oyo. Raisonnement ya bien. Ezate révélation. Ezate connaissance. Ezate a okwe isaye facilement. Parce que place wana passe a kozan explication. Maman, jou na sala témoignage. Na église a prophète Emmanuel Dodi. Et le ki de jour. Prophète a eko démontré ma kam na lobaki ya liwa ya croix onga na lobaki ke o abaka mina kulu swa zamodi mama na mikutaki ke don na kutana na musali ya nzambe depuis na bando sala ba débat pourquoi elo kwa ne kwen saba pasteur ebele o yi ondi mi ya kufa na ikulu su meka ka bible ngo moko eso démontré ke o nyo swa abaka mina ikulu su azamodi me na tuni yo to yo kananga na yo soko lobike to yo ba malédiction na nwezani Satan zaki modi pa nzambe on dimi ke oui. OK, so ki Satan zaki modi. Place na yeza wapi na mokola suka. O ako tumba mamoto bi. OK. Lo linge Satan OK li fe le poza la ki modi. OK. Me tozonga awa Bible lobi très bien que oyo nyo sabaka mi na ikulu su aza modi. C'est que ton dimi ke place à Jésus eza na li fe le parce que aza modi. Wana akimeli na Galates 3:13. Alobi ke non Christ a somba ki biso na malédiction ya loi. OK, so ki Christ a somba ki bino na na malédiction ya loi. Galates 5 elobi ke chacun sa propre fardeau. Oyo ne ba deranja ba chrétien, ba ngonde na linga ba yo kama ngambo mingi. Très bien. Ba memi yo na Galates 5 elobi ke chacun sa propre fardeau. Siko ba tunio yo ozana mukumba na yo pasteur nga na zana yanga. Yesu azana ya ye. Omo ne ba yo kitisaye. Yesu azana ya ye masumu oya ko mema ye moko. Yo pe ozana ya yo. Siko ndeni na oya okufelo, c'est-à-dire akufa kite pona masumu na bino yepe, akufa kite ba confirmer yo yango. Mais na yako yo ka prophète Emmanuel Dodi alobi jo wango ke la croix peut être métallique.
parce que na Bible place mon côté balobi au nyonso azapani na gloire balobi bois bois très bien balobi bois na Bible nyonso balobi bois mais chaque pasteur nga na kutana na eloko ane kotisa confusion na mitu na bango Jésus a maudit pasteur place nini andimi que Jésus a maudit pour côté tout kokende na yebini na okale yo ndimaka ki a maudit c'est que soko boye ka maudit te c'est que boye pe ki akufaki yango moni baboyaka Pak, likambwa Pak ba memelango na koboya liwa na resurrection. Alors ceux qui ba téléspectateurs ba nzambe ba ligi ba retenir na mukuse. Oui. Ba retenir na mukuse. Et lokoni ba ko retenir. Pak ezali important na vie ya mutu toni. Pak ezali important na vie ya mukristo. Siko bango bazala ba chrétien te c'est ça le problème. OK, OK. Baboya kango na raison. Psiko biso ton demake. Bien, Jésus a koufaki, Jésus Christ a zaki ressuscité, mais bango bandi mela kango témoin bandi mela pak ezate. Si ko yangondo mona bambri akasu. Bandi marate parce que prophète azati sikona kunda. Hein? Baboya rakondi ma beau prophète azati sikona kunda. Balinga ba comparer non? Ida na banza la ko comparer Jésus na Muhammad. Nani a c'est quoi? Est-ce que to kotele ma awa to lobela makambo mto za condamné à tombe na o azala ki ressuscité? Mahomet za condamné à tombe. On va revenir. Et Zali Kamboué Mafouta, c'est l'onction qui fait la différence. Je vous rappelle que nous sommes en direct. Numéro Zali Wana. Télévision, Eza Radio T, Olandie Mission, Wana Motuna, Okomi numéro, Wana besoin de débat, Oye. Nazongi nan nou papa Moukendi, Pema Mouke, Nazongi papa Ser Tchamala. Papa Tchamala, Batiamé de Jova, Baya Kosili Kamabe. Bobo Yike, Jova, Azanzan. Kakabino lisus bobo ike ala azanzambe papa chamala problème est nini bateme de jeva ba yanduki. Merci beaucoup na lingina ba kisakaka une minute par rapport ya maloba ndenge mon confrère a otikoloba oyebi na vie ya trois certificats ka mutu moko nde mutu azwa yango depuis histoire ya mokili banda mutangona mwana soki abotami yo na ngai tango to botamaka tozwaki certificat ya naissance deuxième certificat ba pesaka mutu soki mutu akufi ba pesaka certificat ya décès ki atteste ke akufi troisième certificat eza certificat ya résurrection depuis histoire ya makambo ya mokili mutoya na certificat résurrection c'est seulement Jésus-Christ. Seul lui il est resté d'entre les morts et na lise kwa na ye il est résisté avec plusieurs dans la Bible lobby. A se kwa na baike ebele pe batambola na ville sainte batubamona bamona ye. Donc na sujet on ne peut pas comparer Jésus-Christ avec Mahomet, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Donc, tu clore déjà de Bawana. Donc, c'est ça la supériorité. Il y a christianisme. De tous les ordres spirituels, l'ordre chrétien, c'est un ordre suprême. Parce que notre Seigneur, celui qui est allé à la croix, c'est Jésus, c'est Christ. Celui qui est ressuscité, c'est Jésus-Christ. Il est ressuscité d'entre les morts. Et aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Il intercède pour nous. Omona, na kote wana, voilà pourquoi ba chrétien ba zala fier. Parce que mouto ko égalé Yesu Christu azate, azate, azate. Omona, to clore de bawana. To yé maintenant na mutuna na yo na bandeko ya témoin de Jova. Biso tozole kana plateau oyo tozole kana plateau. Très bien. Nous apportons quoi? La connaissance et l'enseignement. Parce que la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque quoi? La connaissance. La Bible dit que mon peuple est détruit parce qu'il manque les habits, il lui manque l'argent, il lui manque les diplômes. Mais Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Nebiso toye, prophète et messager Manuel Dodi, parmi les locaux salaké, il est le grand pendant 7 ans parce que les prophètes et messagers manuels amènent la vraie connaissance de Dieu. Et cette la vraie connaissance de Dieu, la connaissance, ils ont croisé ma connaissance et nyonso. Omoni, Tolobaki ke Jéhovah
n'est pas le vrai Dieu. Jéhovah Zanzambe a solo te. Pourquoi tu y es maintenant dans l'argument avec les arguments qui tiennent pièce contre pièce. Tu y es dit que tu le bandit dans l'histoire à Lingomba. Et là, quoi, Liboso, pourquoi Jéhovah n'est pas Dieu? Première des choses, il y a trois temps de révélation. Il y a combo et Zambe. Dieu s'est révélé à Abraham en tant qu'éternel. Je donne l'écriture, Genèse chapitre 12, verset 1 jusqu'à 3. Premier temps de révélation. Nzamba mitalisa ke pa Abraham na komba ya Jehovah te. Genèse 12, 1 à 3. Il se révèle à Abraham en tant qu'éternel. Oui. Toutouana. Toke na Genèse 22, 14. Tomorika ka Abraham wana. Ami botaboti mwana na ye. Ya promesse komo na ye Isaac. Nzamba yebisi Abraham bonzelanga mwana na yo Isaac. Tonini ke fils. Bonzelanga mwana wana. Abraham a diskita kite parce qu'il était obéissant à Dieu, à l'éternel. Akei na mwana sur le mont Morija. Genèse 22. Bobanda de 1 ti 14. Mont Morija existe aujourd'hui. Et ça la Palestine. Akei ba komiti na ngomba. Mwana tunie na moni koni, na moni moto biloko nyoso me wela nyo. Abraham a répondre mwana ke l'éternel fera quoi? Pourvoira. Il n'a jamais dit que Jéhovah pourvoira. Parce que pourquoi l'obéir l'éternel pourvoira? Parce que c'est l'éternel qui s'est révélé en lui dans Genèse 12. 1 jusqu'à 3 en tant que l'éternel. Car le même éternel a ébissé à Bonzela et mwana. Mwana tout n'y a question à l'obéir l'éternel est pourvoira. Bah comme il n'a ngomba, Abraham a linga qui a sacrifié mwana na ye. Menzamba ebisie koboma yete na moni obéissance na yo, na foi na yo attachement ne pananga, tala pembeni na yo ya un bélier. À la place ya koboma mwana, aye kobonza meme. Ok? Abraham, quand il a vu ce miracle là, il a manqué un palliatif. Tala kaka, dans les villes, pas même abimi. Mais il a manqué palliatif. Il a dit, waouh, que nde Abraham a lobi, c'est lié, sera appelé Jéhovah Jireh. Donc, Jéhovah Jireh n'est pas le nom du Dieu véritable. C'est le nom d'un lieu où Abraham est allé sacrifier son fils Isaac. Kombo ya bisika. Kombo ya bisika. Koma kombo ya neko. Koma kombo ya nzambe. Tope sa même exemple. Bako bisika isa ebele na Bible. Ya Bethel. Ya Penuel. Ozomon. Et chaque bisika wana ezali par rapport à makambo ebanda ko salama ne muto amoni loboko anzamba moni miracle lo bisika oyo ko benga makombo songolo peniel eza kombo anzamba te benel betel eza kombo anzamba te robot robot eza kombo anzamba te ba exemple on eza ebele. Maintenant tolongwe wana pourquoi tolobi ke Jehovah eza kombo anzamba te? En voici les arguments. Moi qui te parle, je suis un théologien. Ce sont les théologiens na recherche ya koluka koyeba kombo ya nzambe. Toye mena na histoire ya Moïse. Exode. Toba na Exode. To éclaire makambo bien. Exode chapitre 3. Verset 13 à 15. Na lingi yo zali journaliste tanga. Po biso soki to tangi. Ba okanisa ke to za na Bible mususu. Alors, na résumé Exode 3. 13 à 15. Nzamba bengi Moïse. A ingi aptinda ena mission ke de libere bana Israël. Moïse a tout ni nzambe, peuple ya Israël. Bako tout na ngai, kombo ya nzambo atindi yo. Oya ko libere biso na bombo, kombo na ye, nani? Nzamba yebisi Moïse, kombo na nga, je suis celui qui suis. Exode 3, 14 à 15. Kombo na nga, nazali, oyo nazali. Oh, le je suis, c'est le verbe être conjugué à l'indicatif présent. C'est que Dieu s'est conjugué à l'indicatif présent que je suis. Ezali komboté. En d'autres termes, Nzamba kacha ki encore kombo na ye pa Moïse. Quand Moïse a insisté kaka na Genèse na Exode wana, toi to komi na 15, Nzamba yebisi Moïse que c'est ici mon nom, allez leur dire l'Éternel. Dieu d'Isaac, de Jacob et d'Abraham, m'est apparu l'Éternel. C'est ici mon nom de génération
en génération. Voilà. C'est que combo oyo, quand Moïse a insisté, Nzamba a mis le combo à Nini, il y a éternel. A mis le combo à Jovate. Exode 3, 13 à 15. Tolongo wana, Jéhovah ou tuapi. Toye maintenant avec les arguments qui tiennent. Combo y a Nzambe pendant ce temps-là, Dieu n'a pas voulu révéler son nom. Parce que comme il y a Nzambe Zalaki caché dans les quatre lettres, on appelle ça les tétragrammes. Yango Oyo, Nalingi journaliste, c'est Abenda Yango. On appelle ça les tétragrammes. Donc les quatre lettres en hébreu, Babeng Yango les tétragrammes. Quand on dit tétra, ça veut dire quatre. Les quatre lettres Oyo, Oyo Zalaki Kobomba Kombo Yanzambe. Dani, au cours de la biso, ni nous, ok, vas-y. Ezali G H V H babengi yango le tétragramme babengi yango le tétragramme ou encore Y H W H babengi yango ba tétragramme o les quatre lettres wana na alphabet hébraïque eza ba consonne ce sont des consonnes or na alphabet hébraïque ba consonne et qu'on qui mis sa santé. Donc, comme vous avez dit, J, H, V, H. Non. Maintenant, ce sont les théologiens ne baye ko bakisa. Baye ko procéder dans la méthode qu'on appelle en français linguistique la translittération. La translittération, c'est une procédé qui consiste là où il y a les consonnes, baba kisi ba voyelle, pour produire un son. Et bien, mis sa combo, ça n'a pas sens. Ne baye ko bakisa, banini, baye ko bakisa ba voyelle, baye ko bakisa o ekomi, baba kisi voyelle e, voyelle o, voyelle a. Et c'est prononcé maintenant Jéhovah. Baba kisi voyelle a, voyelle e, voyelle e, et c'est prononcé Yahweh. Ce n'est pas dans la Bible, ce sont les théologiens. Même Yahweh, ça comme un zambé. Voilà, cherche la théologie. Parce que moi qui te parle, j'ai fait aussi la théologie. Oh mon, babengi yango le tétragramme. Voilà pourquoi, même en Israël, selon les Juifs, comme un zambé, ça je vais te. Si quoi, bah, pas de même, ça rabis, bah, hey, Yahweh. Yoka. Comme un zambé, même la bayouda. Comme un zambé, ça je vais te. Tu sais que les Juifs n'adorent, ne connaissent pas Jéhovah. En hébreu, comme un zambé, selon les Juifs, s'appelle Elohim. Au moins, en hébreu, Éternel veut dire Elohim. Adonai veut dire Seigneur. Il n'y a pas Jéhovah. Les Juifs ne connaissent pas Jéhovah. Ce sont biloko ya théologiens qui ont menti les gens. Voilà pourquoi tango ye soye, maintenant toye na histoire ya lingomba. Makambo ya nzambe ya malawi ebandi na moi na nzambe. Toye na Matthieu chapitre 11 verset 27. Jésus quand il vient, il dit ceci, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. C'est que mutoye ba ki nzambe ya solo pendant ce temps azate ye solo, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Celui-ci le révèle à qui il veut. Toyena 1 Corinthiens 8, 5 à 6. Bible lobby, il y a plusieurs dieux. Il y a plusieurs seigneurs. Mais quant à nous, il y a qu'un seul Dieu, le Père. On n'a pas dit il y a qu'un seul Dieu, Jéhovah. Il y a qu'un seul Dieu, le Père. De qui viennent toutes les choses pour qui nous sommes. Yesu maintenant a yé qu'on révélé combo ya tata na yé. Combo ya nzambe ya solo. Celui qui a révélé ça, c'est Jésus le Seigneur. 1 Jean, chapitre 5, verset 19 à 20. Bon, comment? 1 Jean 5, 19 à 20. C'est ça le nom de Dieu que Jésus a révélé à l'église. La Bible dit, il nous a donné l'intelligence de connaître les véritables. C'est que pour mutoyer banzambe ya solo, il doit avoir premièrement quoi? L'intelligence, la connaissance, pour connaître le vrai Dieu. Oh, là où il y a le vrai, c'est qu'il y a aussi le faux. Okoye banzambe ya solo te parce qu'on a un diplôme. Voilà pourquoi l'importance c'est d'un prophète. L'importance c'est d'un grand prophète. Quand un grand prophète apparaît, la première des choses, il faut que tu aies dit que ya solo a révélé le combo ya nzambe ya solo. Merci. Voilà pourquoi le prophète Emmanuel Dodi, quand il y vient, il révèle le nom du vrai Dieu. C'est Neni Jéhovah, c'est Neni Yahweh. Le nom du vrai Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable. Et le vrai
le Seigneur, c'est le Seigneur et Jésus. Voilà, tu peux si n'a écriture. Oyo azana écriture contraire on a lobby. Aya na plateau. Merci beaucoup. Merci l'homme voilà. De Dieu. Alors le 17 décembre, nde makambu le 17 décembre, ezali mokolo oyo, il y a le grand sali Dani. Tous un bon clip comme ça. On va revenir avec nos questions. On suit ça. Pentecôtiste charismatique, ministère des affranchis. Oye Kumba Makana Motonzambe, le prophète messager du temps, Emmanuel Dodi, Ezali ko célébrer la fête du grand salut. Oyo, Ekosa le 17 décembre 2023, de 15h à 18h. Noko, Nyonso Oyo, Ekosa le Makaka Awa na liberté résidentielle. 6e rue, Avenue Révolution numéro 817. Yaka Awa, Oyoka Motonanzambe, Ozoe Loko. Betela Muninga Lisolo Kitoko Oyo, Po, Jourwana, Ekoza la terrible, Awa na ministère des affranchis. L'homme du Tiko Tako, le prophète messager du temps, Emmanuel Dodi Azawana. Ezali Kambouya Mafuta, c'est l'onction qui fait la différence. C'est votre émission. Vous êtes en direct sur Perfect Télévision. Nazoli Bongo et Payandeko Mou Oukindi. L'autre fois, na émission Oyele Kaki, Bandeko Bakomaki, aussi les qui ont expliqué, Penza Malam Malamouté, Pona Makambouya, cette pierre. Calmement parce que bisika oyo lié ezali saint mabanga pourquoi est-ce que babambaka milimo mabe to babambaka Jésus to babambaka nani bisika wana mais quand expliquer ngo rapidement et puis calmement omoni na Alkaba ndekuna pona Islam eza lié saint na ba ordonné musulman nyonso oza na moyen il faut anyata mabele wana ako ma place wana et puis soki bakomi place wana et loko bakenda kosala wana ya malonga ezaka mabanga wana ezaka ndi ba Christ bakenda ko visiter tombe bakenda o visiter tombe ezande mote nao baketa la tombe mais oya bango eza tombe te oya bango eza makamsusu yo yo kadi ya bato bakenda otala tombe kuna bato bakufa mais pourquoi ya kuna yo kaka bato bakufi 200 personnes 500 personnes bakufi pourquoi bakufa apo ni mabanga wana mabanga wana toke i papa le problème c'est quoi Nalkabwana ezala na bilo moko démoniaque. OK. Là ba bakanga mitema parce que toko tika te ko la vérité parce que bango ba osilika. Bakanga bena mitema. Nalkab ezala bilo moko démoniaque parce que bango ba lobi ke ezala lié saint. Pourquoi lié saint? Chaque musulman il faut azwa mabanga 7 et puis mabanga bateka ngwe moko $4. Skalke ce monde da ba misolo ba kenda kuna. Osombi 4 $, 4 $. Moko 4 $. OK. Après OK kuna ozoke ndo bambang ozolo ba bismillah ya Allahu akbar o bambi ango kuna na Alkab na lié saint. OK. Signe sije ya ko bamba banga place mesala ki ba bambaka Satan. Et là aussi ko efo to yeba. Ba bamba Satan ma banga place wana. Et puis za lié saint Satan na place wana yo luka mini na lié saint. Et puis Satan azande ko na bango no. Pourquoi Baba Mbé sous ma banga? Satan est musulman. Satan est musulman. Baba Mbé ma banga, comment? Bah, il s'est dit parce que, ils ont un livre, Moko, Ulimwengu wa Majini. Et, bah, musulman, bah, ça, il a quand même, bah, il est bien, très bien. Na page, na 20e page,
na page 20, bazo expliquer bien que Muhammad a réussi ko convertir Satan à comme musulman. Tozongi na surat din surat 70 totangaka awa. Badini bazolo bake biso pe parmi biso ba musulman baza. Satan azan de kona bango. Mais na liese soki bango bazoki mayeli susu. Mais azan de kona bango. Mais na liese bazoki mayewana. Na liese bazoki bambe mabanga. Asala kanini kuna. Est-ce que Satan a banga libanga? Soki azawana. Libanga. Yego bangisa Satan. Tena zo tu na bango o ba bamba mabanga kuna. Satan ko banga libanga, Satan c'est un esprit. Mais comment au banga libanga? Au moins tege bazana makamo ko za caché wana me to bala ko exposer. Eza place mo bilomo démoniaque parce qu'avant Muhammad aya ba kilt moko ya barab. Ba to ba science okit ba to misala mabe ya mulili ya magicien ba banda ko travailler kaka même prière au bango basala kawana. Kaka na même place wana alkaba. Basala kango wana avant même Muhammad aya. Basala kango wana et puis à condition basala kango sans bilamba. Ballon la bilamba nyonso bazui dra ba mise pi boy. Mutakala? Ah oui. Bazui ka dra pembe balati yango boy. Ah bon? Oui. OK. Ezaka ka même pratique oyo ba payen ya kala o bazala ka wana ba bandosa lango avant Muhammad aya. Mais Muhammad aya c'est programmé ya za prophète aye pona ola gisa vérité. Pourquoi o salema ki kala yango ndezo continuer ko salema ti boy? Na o salema kala avant Muhammad. Balobi ke bango bazalaki ba mushrikin. Batumoko ba ya ba ok, pourquoi ma pratique n'a pas déjà continué ici pour Nata Muhammad déjà y place wana mabanga babambaka baebi biloko basalaga cela ba invocation. Pourquoi mama chaque temps nanu bakenda pèlerinage te oyo kateke bato bakufite pèlerinage nyoso bato bakufaka siko bango ba miko sa pona nini yo galilo zo ke pèlerinage zo sala prière o nako makuna nakufela kuna basotangi sa bato bongo o sali pre o ebisi nzambe so ko feli kuna okelo la wapi siko objectif yango za kanini pourquoi il faut okende kuna ko kende kuna ba lobila so ke okey kuna il faut olimbi sa masumu so ko mi na alkab olimbi sa masumu ok est-ce que batu nyonso ba kenda kuna si c'est vrai ba limbi sa masumu ou ba ke ba ki sa masumu et deuxième question ba o ba kufa sans ke bazo wa moyen ko kende ba kokineke mena bango ko kine pofo ki kuna olimbisa masumu o sala prière ya Arafa après nde olimbisa mi masumu. Mais pourquoi bisika wana kaka batu bazo kufela ngoli susu chaque année soki bake pèlerinage foka batu bakufa bakufela ka nini place wana izana makamoko ya molili na kati alkab wana libanga wana izana makamoko wana soki to linto to exposer ngo se moto yopela. Mais vérité n'a pas pour ça. Voilà ce qu'on va dans la thème. Eh, bah c'est récent. Bah dans la thème. C'est l'onction qui fait la différence. N'a pas dit de quoi. N'a pas dit qu'il y a qui n'y a bon. Ce qu'on m'a banga wana. Ah. Bon, bon, tu es habité. Ce qui est bon, Satan. Tu es nini. Pourquoi bon, ma Satan a libanga tes mamans. Pourquoi bon, ma Satan a libanga tes. Pourquoi bon, tu m'as oufaka dans la zéla. Tu es belé, tu m'as oufaka fatigue. Ils ont déjà ba prier na bango ba sala ba sacrifice. Ils ont ba sacrifice ba sala lukuta ke chaleur ba to ba kufa. OK, so ki chaleur ba to ba kufa ka chaleur kuna to boite. Koma ils ont la kaka po Arafa ba kenda bazo tambola place mokota. Ba kenda ko tourner ba zo ba groupe. So ko ba kufa na groupe koma. Na groupe ba to bazai belete ne bazala. Ba kenda ka ba ebele belete ba ko sapi. Ba chaka ndé ba zui pays. Par exemple le Congo, RDC ke. Est-ce que RDC ba musulman ou ba otonda mosquée wana? Ya lukuta. Ou ba lobi ke non eza etoufma eza lukuta eza ba sacrifice ya barab. Ni banga wana eza na makamoko ma sœur do eza la bombe. On va revenir vers vous. Ba question c'est bien nous papa Chamala. Parce que Chamala le 17 ba te belé au lobi l'autre fois. Que batu baya baya ebele à part qu'on a matéa ba prière cause la pona batu maladie alors n'orgili solo ya témoignage moko ezalaki ya makasi pese le biso quand même moi idée comme ça avant bon on a proposé témoignage wana danyo papa nga déjà témoignage wana o tchaki. Oui, le 17 décembre tozo célébrer biloko ebele mais to réduire ngona biloko mibale date wana ya le 17 décembre. Ezali date oyo tozo commémorer yango pourquoi? Premièrement des date oyo prophète na biso
messager Emmanuel Dodi akutana kina nzambe pe ayamba mission et pa na nzamba ya kote ya grand salut et bisikani nakutana kina nzambe même ba oyo madame la journaliste même ba oyo bazolo bake aza congolete il faut balanda histoire ya mutu akutana kina nzambe na mokili masimba eza na Lubumbashi eza na Lubumbashi na Katanga. Pour dire que le prophète Emmanuel Dodi c'est un congolais de père et de mère, nakuna kutana kina nzambe za na Lubumbashi si le mot qu'il masimba nzela ko kende kasumba lesa na 1999 nde ayambi mission abandi pe musala ya nzambe na Lubumbashi na Kipushi ozomon nde kuna meme ma miracle oyo za na ngolo lelo abandi na ngwa na Kinshasa te kuna zo uta parce que histoire eneza riche auti na tribu moko oyo babanga ka nzambe oyo e produisa basali ya nzambe minene na histoire ya tribu wana eza na Katanga nde kuna zwa mission nde maintenant il faut maintenant musala nzambe s'étendre partout dans l'humanité nde a kolongwa Lubumbashi ko ya awa na Kinshasa omon pour que musala ya nzambe mission nzamba pesie e kende partout dans l'humanité et mission prophète messager ayena yango aye kote ya grand salut lobiko ya munene. Voilà pourquoi date le 17 décembre pour na biso ba franchi tozo célébrer grand salut tozo célébrer fête ya temps. Pourquoi fête ya temps ezali fête ya temps prophétique parce que c'est celui le prophète Emmanuel Dodi bible zolo baboye tolanda biso nyonso mboye moyen tozo ata ko expliquer makambo wana pede na plateau TV zangonga na ba 98 à 2000 bate ya biso awa basala nzambe beleke na 2000 ay koza la fin fin du monde omon e koza la fin du monde même na veillé à le 31 décembre 1990 voilà batu batona na église même yo pe ke na église na veillé wana ngana ke na ara veillé 31 pona ko Christo e belé babanda ko kende pona ko banga itsoki monde sili Yesu aye kozwa lingomba na ko kende wa veillé wana ya le 31 décembre 1999 batonda oh basali nzambo bateya biloko wana ke 2000 ko za la fin du monde c'est ici même ba prophétie même ya prophète Branham Isaïe lokuta ah tego parmi kokota kuna tego ko na zolo ba la vérité parmi batoyo ba ya ba proclamer ke 2000 ko za la fin du monde c'est les branhamistes na ba prophétie ya otanga ki yango monike pour natanga yango. Ah, pena zalaki pe kuna natanga yango mena koyela opeme wa brochure wana. Moi je préfère les écritures. Voilà, je viendrai avec les brochures. Oyo Branham Isaïe ko prédit. Omona. D'ailleurs un prophète ne prédit pas. Un prophète il faut sakola ce qui est exact. Bible biso ki mo sakolia sakoli makambo salamite bolo la yeke aza prophète ya solote. Omo. On attend wana prophète messager Manuel Dodi azalaki na losambo. Yepe azalaki na souci wana. Si réellement 2000 est à la fin du monde, yépe, le lengeni n'est pas à la préparer, est-ce que événement ne koko ta indengeni? Nzamba ko révélé que na l'an 2000 loko moko ko sala maté, ça ne sera pas la fin du monde, nenge bazolo bela yango, mais il y aura un événement ko sala ma si le plan invisible. Événement ni ne sala ma ki si le plan invisible, ezala kinde fête, ezala kinde changement ya temps. Donc 2000 ans ba bango balobi ezala ki fin du monde ezala ki fin du monde c'était la fin des temps ta ya banani ezala ki ta ya basakoli et pardon ta ya bantoma parce que Ephésiens chapitre 2 verset 19 à 20 Bible bi botongami na moboko ya bantoma na ya basakoli Yesu Christu yeme ilibanga na talo parmi mission ba pesa ki bantoma tant ba pesa ki bantoma et comment qui na souka na l'an 2000 si le plan invisible pour que tant ya mena ya ba prophète et banda de 2000 ans ti jusqu'à 3500 ans. Merci. Voilà pourquoi le 17 décembre pour comprendre ma kamboyo ezouta eye na révélation et révélation fandeli ce qui est écrit la Bible. Voilà pourquoi les prophètes et messagers Manuel Dodi le 17 décembre tozo commémorer tozo célébrer biloko mibale fête ya grand salut mission va pesa ki aya côté ya grand salut deuxièmement tozo célébrer fête ya temps ta ya banani ta ya ba
prophète. Merci beaucoup. Et Wana et Bandi na Mosakoli Manuel Dodi. Merci beaucoup. Alors Dani, tous les bons témoignages. Il y a Papa Moko Oyo Ayaki Koluka Lobiko Toi Koluka miracle pour na moi nanaye kaka semaine Oyo et où tu Koluka pe Zamba répondre et avant même Azonga Bisika Zala. On suit ça comme ça on va revenir après. C'est fini. Na lingi ozonga prochainement otatola. C'est fait. Prière depuis mardi pour Nalingomba Mobimba. Quand j'ai dit Lingomba Awana Libanda, dans ça, j'ai prié spécialement. Oyo fouté la kibie, Oya, c'est fait et la suite, vous la verrez. Zongana Kondima et le Koyaki Kozua, Koluka Ozuyango. Nde kombote. Mbote maman. Balandi ya magazine, c'est fait, Balingi Baeba Kombo na Onani, Outi Wapi, pe témoignage na Wizalini. Nga kombo nanga Jean-Pierre Longomo. Papa Jean-Pierre Longomo. Pajo. Pamisuba benganga Pajo. Donc c'est ça. OK, tomoni papa abondeli pona yo mbala moko ye na magazine c'est fait. Magazine c'est fait ezali magazine o lekisaka ba témoignage. Bato ba tie lika na bango et pas ba sakoli surtout mon sakoli prophète messager Emmanuel Dodi ba kutana na ba miracle. Mais ayo siko lelo ezali miracle. Ngai nazana ser nanga tozalaka naye na Belgique na Moukron Doudou Dodi na spécie merci mingi ya azalaki liboso awa azalaka awa sambelaka awa aye kobetela biso lisolo wana pe azaneti mwana naye alobi Jean-Pierre soko kei kuna eza blague te parce que na komaki na mwa ba makambo ebele mwana nga za kobeta na Lille na équipe à Lille bayebi alongwe na Lille ake na Amérique en Allemagne et na Espagne mais tant alongwa ki na Lille ba contrat e komi mwa mobulu e komi mwa mobulu asala boye e komi mobulu ake Turquie na équipe mwa deuxième division ba bengisi na Ostende akende kosala test en stand asali test na en stand mion surtout bien et comme il a signé et comme il mobulu a quel sous une équipe mususu il y a 3e division na boko tanga ba kombo pona opesa bango publicité na sa publicité ba équipe te et puis c'est peka bandimi aya ko signé akoma kuna esali sous mobulu
à quel sous une équipe Moussousou a qui a signé à sa test et comme mon boulot. Si on a peine à monique et simbate, n'aie pas doudou n'aie bissier doudou habité on a zamon en abisso. Il faut qu'il n'est pas pasteur Emmanuel Dod, okay. Prophète Emmanuel Dod. Ngabi n'aie biété habi kende n'a la coupe sa yo. Ngabi ah babo ya raté n'a kota pepa ba pasteur et belé. Yango pe na to benga ki pasteur na moi si nanga pasteur alobi. Prophète bo skizengande na zolo ba pasteur mais asa prophète. Abi boya na mwana. Tango alobi to ya na mwana na préparé voyage. To ya na mwana ba bengisiye akende na équipe mususu. Ngabi bon prophète to kosala ndenge nini? Abi lokwa yo ndengo zali wana yakata yo moko. Na ye ça fait maintenant une semaine naza awa. Alobi ndengo ye na sona prophète Emmanuel Dod alobi na ndengo ye awa ozozo ngana contrat ngana mona ke on utilise ki OK na mona ngine utilise ki na yaka prière chaque jour na prière kana nga normal ba pesa nga mai mokote ba pesa nga lititi mokote na prière kaka normal vendredi. Voilà, merci beaucoup Dani. Donc témoignage wana na katiango parce que nous courons derrière l'état. Pasteur Tchamalazo expliqué dans une minute à Kongisango Nye surtout. Comme ça, la semaine prochaine, Bokosango Nye surtout Mobimba. Voilà, papa. Oui, Ndekoana Bumuni Nabililiwana, Ezali Ndeko Jean-Pierre Longombo, Afandaka na Belgique, na Bruxelles. Moi, Nanaye, c'est un grand footballeur professionnel. Alors, il y avait un certain moment, moi, Nazana talent, à Betaka, balle bien. Mais ce que comme moment kaka alingi a signé contrat makamoni kibaka ba ko bengi sena ba club ya minene a sali test normal ba apprécier ye mais ce qui kaka comme moment alingi a ko signé contrat ah, ba boyi atamboli minomoko boyi carrière ya football ezalaka na tan na ba age songolo plus ozo chomezo signé contrat te ba mambula pezo avancer ndeko ana bana ko sambele pa prophète Manuel Dodité abana ko sambela quelque part kuna na poto na ba église mususu nde akutani na nde ko moko oyo azali moko ya biso ba franchi azana Belgique Doudou Dodi omoni abakisi na kombo ya nani ya Dodi mutu nyoso wa vivra miracle ya bakisi kombo na yeza ki Doudou abakisi ya komi Doudou Dodi ayebisi te mwana na wazalo azamu mwana nanga probleme oyo umeli na ngo mingi oloke ne pa banganga pa ba mormon. Ok, nena ba okilti so simba kisi, pour moi nana ba no signé ba contrat. Non, il y a un homme, il y a un prophète au Congo. So ko kei na Kinshasa, il y a un grand prophète au Nzamba, tindel biso na mboka na biso Congo. A fouti bien na ye, aye. Aye Kinshasa. Aya ki samedi. Samedi wa nanga mutu la yambaki. Dimanche aye na église, prophète après kilte, prophète ayambie na bureau, dont moi-même j'étais témoin, parce que je suis, c'est moi qui l'encadre. Prophète a tourné million yeye ko luka na Kinshasa. Alobi ke na ye ko kutana nayo au sambele langai na arraché contrat ya mwana. Prophète a yebise kaka ndengo moninga okozonga Belgique maboko pamba te semaine ka 5 jours na zo sale la prière. Ozozonga Bruxelles na contrat ya mwana. Neto e wone za ki dimanche. Mardi to mandi prière, a ye prière. Mercredi a prier. Jeudi a prier. Yoka vendredi, prophète assemble les nobles moni belili wana. Prophète assemble les. Tango prophète azo assemble la yeka ka prêt prière pas ba bengi na Portugal. Moi nana za Portugal. Ba bengi ke moi nana ye aza admin a club a signé contrat. Nzamba tikotak. Donc yoka ka penza tikotak. A signé contrat et samedi à Zonga qui na Bruxelles parce que yé moko za la ka manager ya mwana na yé parce que bazo zela yé a monique billet wale ki ofelete vie à mwana échanger parce que na poto ba wale la ka mwana za la ministre té ba wale la ka mwana soka za na talent ya bale a signé contrat o ba contrat lokola bongo ya club mwana na Portugal pa moins ba 10 ba 15 millions vie à mwana échanger parce que akutana kina prophète et messager Manuel Dodi, c'est un homme et solution. Merci. Voilà. Alors, yon de kouzote la bison na télévision, yon de kou l'anaka bongo li kama mafouta, kou vana nanda kote, talandege nde kou papa, aye kou luka lobi kou pona mwana na ye. Yope papa, yope mama, salamou le lenge nde kou asali, biye wana,
y a porte quoi qui nous chasse qui a offert les pour contrat wana. Ils ont dit bien à ta fois 100. Bon, n'est-ce que vous avez dit? Tout le temps, rapidement vers la fin de l'émission. Nous avons la deuxième question rapidement. Patricia, nous avons une question. Pour les sous-sous, ma pratique, il y a islamité. A pas de différence entre Isaac et Ismaël. Nan y a zamon la promesse. Islam, Badimaka, Isabité, Bango, Badimaka, Islam, Ismaël, comme on a une promesse. L'eau, comme un chrétien, à cause de l'Ismaël, ou bien à cause de la côté, il y a Isaac. En tant que chrétien, chrétien basalara na sima ya Isaac parce qu'aza mwana oyo ya promesse. Merci beaucoup Deko. Message outi moustique outi na Sankourou na Lodja. Alors répondre bongo rapidement au cause de la sima ya nani. Pourquoi kuna ezalaga ya bwana bo yo moko yo ki moko yo bane na ko kende mbangu po minute ni ngi ti kabiso parce qu'à la fin entre Ismaël na Isaac nani azamona elaka Islam mezuaka Ismaël mona elaka Genèse chapitre 21 verset 17 ti na 21 kuna ozoyoka ndenge bazo ko expliquer mais bango bazo la kaisika moko oyo tangu mwana abandole na désert agara kimi ati alongwe alobige na olinga tena mwana ndenge mwana nga kokufa ake pembeni Ismaël tikala zole lande ma ebimi et tout ça bazwe la kawana et oyo malobela ndaka sima ke je ferai de lui une grande nation ba simbe la kawana pona obimi sa yeki aza ndeza la ki mwana promesse mais toke na contexte ndeko so landi lisusu so kupena musulman pose question na oyo biso siko tuna musulman nyonso Ismaël azala ki mwana oyo abotami na Abraham liboso na akor ya mwana musala Abraham kutaboya ki makambwana nzami na ordona ki Sara nzami na ordona ki Abraham kendima makamwasi na asali nini ayebisio nde Abraham yeko ndima aboti na aga ya mwana nde ilagisite ki azami mwana promesa pa aboti eliboso no mwana promesa zalaki mwana Sara nda zalaki mwana promesa siko totu na bango tango babengana ki Ismaël na aga nanda kuwana ezalaki avant evenema il y a sacrifice ou après à tout le musulman nyonso tant que babengana ki agar na Ismaël ezala ki après événement ou avant parce que Isaac a tika la ki na Abraham non et Ismaël na agar babengana ki bango à tout le musulman nyonso et salima ki avant départ ya agar na Ismaël to après kouke na bango token bongo na bref. C'est l'onction qui fait la différence. Tout comme il a souk émission, papa Chamalazo, une minute. Pour conclure, je ne peux pas s'appeler de comment il a joué une minute comme ça, on a la paix sur nos bails. Moi, je n'ai pas mis. Lélo. Ma question, Nyonso, il y a une unanimité cassée. Tu récupères moi, l'essentiel. Pour vendre quoi, Moujimaï, pour l'imbi, ça m'a cassé. Semaine prochaine, je ne peux pas dire, à répondre à Bionem Moutouna. Au botindaki papa Chamala, oui papa question na bango oya bato mbujmai eza très important na kozo ngoka même 2 minutes ok zwakasi zwakasi balobina lo bango na chuluba ok baba betu bosu badi batronda ku mbujmai ngongo ya nyoso vimifika par rapport wa kumanya ni prophète Manuel Dodi ngani ni mission yenda ijichinyi ok prophète Manuel Dodi aza muntu ujimuvu wala Kristo paske mubufu kibwanzambi vumuteka mupra wende vumuteka bantu babiji anyi bisumbu bibiji bisumbu bia ba apotre
ni ba prophète. Bisou biaba potre mbibanga de l'an 0 jusqu'à 2000 ans. C'est pour cela toi fi ki mou 2000 ans, mouka vous déjà mou pla wa nzambi mou mana kumanyani, après 2000 ans, na kwe ka la fondement prophétique. Mounou salu enda ki kousou la imouane toa mou kongo, prophète messager Emmanuel Dodi, koumou confier tchisoumbu tchaba prophète. Donc, tcha fondement prophétique koumou sou la boanye, ikala géniteur, ikala mou imanye ni wakisoum. Kibi di bien zanyou mouana banta boko wable le bambi banzambi katu itoum vwana na bouto, ba pasteur ki ne comprenne rien, ba di ba mou mouana bou pasteur wabatanda na mou la Bible mou ele moujaha mou kenza jenta jisambila. Non, prophète Emmanuel Dodi géniteur wakisoum mou tijima tcha fondement prophétique. Mission yende nou di nou ebeja, mission yende di clair. Prophète Emmanuel Dodi ki muntu uji mushala mumita e uji exprimé parfaitement volonté wa Nzambi. Uji prophète messager Emmanuel Dodi selon Ezekiel 3:18 ki e uji exprimé volonté wa Nzambi. Oliye ki di mwaye volonté wa Nzambi mulela uji chini. Ki mbatu jina upinje u volonté wa Nzambi kabe nende toba. Jini biabu bobu biabu keba makuta, biabu bobu biabu bana baba kalunga mumputu ki esprit yabu. Kabe nani volonté wa Nzambi to. Prophète Emmanuel Dodi mulo bwa kumbuksha anyi kureki misuka ya bantu bons bavu bajimina kubali aja kujinzambi selon Jérémie 23:21-22 ki mudi mumune na prophète Emmanuel Dodi mulo nao ni prophète Emmanuel Dodi mulwa wa ku révéler di janzambi ku révéler jila wanzambi mulela wala buka imulwa to bana betu tufubasha ala mumijima ya kutendelela ba Allah kutendelela ba Jehova kutendelela bintun tu bidika bini sans to ba yawe ki bwa ni ba yawe bonsoir ki bwa ni kwena mbila Yesu je m'adresse direct na église wa ETC le temo tatumu tumbu mbujimai quelques minutes nous tu londa ku FDM radio wa kumbu mbujimai bwa kumbu se bintu yosu na mbuja nila na mbila masambila bigila Yesu Yesu nous tu bigila Yesu wa kwe prophète messager mané do di mulwa bwa kuleja bulela katwena tulabu wa kunu henda tu se juste bwa kuleja verite bwa musumba wa Nzambi mwikala distrait Tantamula ki monsieur prophète Emmanuel Dodi mulo nai nya luhandu kutumbusha kumijima kunumbusha neno kumijima babuni batetu babuni bwo kumbusha bachiji kumijima bachiji batendelela Nzambi dikaba ibamanya to bachiji bakukwila mpimo bachiji bakukwila mena Nzambi dikaba ibajaji kato ba mwachunza banganyi kumbujimai FB mujuto akajina mungacho mama tu makese muna tu londanga na bwanyi tulejana bulela prophète Emmanuel Dodi ki muntu di mulo nyi luhandu jila wa moyi mulela uji mubianza bienda bwalu Nzambi mwana kumu confier we muben we muita Nzambi ka kumunya ngato bwalu mwana kumwesha ni so di verite nyanyi nuitabuja se yeye ki mutu mibwa watu kombu se le prophète messager Emmanuel Dodi luhandu kaluena mkuimba ni kuja majato luhandu kaluena nyi ela ina ubene shibo tu luhandu kaluena nyi tuya hitu kasambi la kumiku na tuya kumuya tuya kunyo nene bena seka ni bena seka luhandu ujumulo nyi buwe la wanzambi ujumumanya njila ya buu ujumumanya njila wanzambi ujumumanya kondisho julo mbaba mtuwa yukumbaja buwa ayamu julo ela mama in minute ba pasteur nyonsu wa Kinshasa na lubaki ango semaine pase na mouni ezongeli lisusu prophète Emmanuel Dodi za prokipe na deliverance nanga metala bino boza prokipe na magambo mbongo ezo la kise deja oe boza ba bengi lisusu ba sengo mbongo ba bengi nga lisusu ba misu ba ebisi nga batinda ba chauffeur ba ya gozo nga to so lan kulis li solo moko an kulis entre nga mukendi na bino ezate la je confirme ezate pourquoi il donne à bino ezama be so ke zala ki pona ko edifier corps de Christ il fallait ki ezala na va normal. Mais ndenge za ko kota kota c'est que vous avez ba mission na bino mususu me boye ba ke ko bundisa oyo deja nzamba telemisi bozana risque c'est ça. Merci beaucoup, merci. Nous sommes arrivés vraiment à la fin. J'espère que nos messages ya tatou mukendi et l'équipe balamoko toi ça qui dit là la bouni le saka est fou là matondo accentisana et si j'espérais papa oh, ok d'accord alors tu de kimia ya tata un grand merci naba franchi nyon surtout un grand merci au prophète Emmanuel Dodi un grand merci nabino ba franchi oyo bozoka bongo temps ya kota la biso rendez-vous ezamoko c'est dimanche le 17 à partir ya 15h à 18h boyawana boyako ka yobanza mais en même temps boyako ka bongo délivrance
Yabana Bino. Au revoir. Malé, malé, malé. Mwana Congo Kinshasa, Pe Brazzaville, Yokelanga lisolo kitoko oyo, yoka bien. Église universelle, pentecôtiste et charismatique, ministère des affranchis. Oye Kumba Makana Motonzambe, le prophète messager du temps, Emmanuel Dodi, Ezali ko célébrer la fête du grand salut. Oyo, Ekosa le 17 décembre 2023, de 15h à 18h. Noko, Nyonso Oyo, Ekosa le Makaka Awa na liberté résidentielle. 6e rue, Avenir Révolution numéro 817. Yaka Awa, Oyo Kamoto Nanzambe, Ozo El Loko. Betela Moninga Lisolo Kitoko Oyo, Po, Jourwana, Ekosa la terrible, Awa na ministère des affranchis. L'homme dit Tiko Tako, le prophète messager du temps, Emmanuel Dodi Azawana.